Ok, on y est. Donc alors, on va faire ce qu'on appelle donc la coupe. Donc ici, je vais la représenter rapidement. Je vais vous montrer comment la faire. C'est vraiment pas compliqué. Je vais pas m'amuser à chaque fois à changer de calque et tout ça parce qu'on va perdre du temps. Par contre, si vous gardez les calques quand vous allez construire vous, c'est beaucoup mieux et plus facile par la suite. Donc, ce qu'on fait, admettons, je veux représenter ce mur-là. Je veux le représenter en coupe. Je trace en fait tout simplement les lignes. Donc là, j'ai ma pièce qui est là. On est d'accord? Donc, et ensuite, comme pour les mesures, je prends toutes les lignes et je les prolonge. Dès que j'ai un élément, je prolonge la ligne. Voilà. Je me trace une ligne lambda ici, peu importe la dimension où vous la mettez. Et je fais mon raccord ici. Est-ce que vous savez faire les raccords? Non. 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 Alors pour Non, raccord, sinon. On l'a vu quelque part raccord en haut là, ici. certaines me connaissent, hein, je suis chiant avec ça. Les raccourcis clavier. Donc je ne sais pas si vous travaillez en même temps que moi là. Dites-le-moi d'ailleurs, oui, vous montez en même temps que moi là ou non? Non, non, non. Non? Non, Non, moi je ne fais ok. pas, mais Comme bon, ça, je sais s'il y en pas. a qui le font, que je prenne un peu plus mon temps, quoi. Alors les Moi raccourcis clavier. j'écris. Ok. Alors les raccourcis clavier, au lieu de vous prendre la tête à chaque fois à chercher ici, à aller dans les menus, dans les onglets, dans. Vraiment, le premier truc à faire, c'est le raccourci clavier. Par exemple, raccord, ça commence par un R, je tape sur R. Et ici, j'ai tout de suite raccord. C'est pareil, vous avez besoin d'aller chercher vos calques, vous ne savez pas où aller chercher, vous êtes débutant. Calque, ça commence par un C, vous tapez sur C. Et là, vous cherchez, s'il n'y a pas la deuxième lettre, vous tombez sur calque. Donc pour tout décaler, par exemple, voilà. Déplacer, c'est pareil. Donc dès que vous voulez faire un truc sur AutoCAD et que vous galérez à trouver ici, ne perdez pas votre temps. C'est très important. Donc là, pour raccord, donc, je disais R pour raccord, il est là. Je clique. Je veux raccorder lui à lui. Voilà. Là, en fait, alors il faut s'imaginer que c'est une photo que l'on regarde en fait de ce côté-là. On va faire un truc comme ça. Voilà. Faut que tu continues pour qu'on comprenne bien. Voilà, ça va être plus représentatif. Voilà, nous on est là et on veut voir ce mur. Donc on le projette ici. Ok? Donc là j'ai fermé mon mur. On est d'accord. Maintenant qu'est-ce qu'il me faut ici? Donc là on est d'accord que ce mur-là, c'est ici. Tout le monde est d'accord? Celui-là, c'est juste. S'il y en a qui ne comprennent pas, je reprends tout. Hein. Dites-le, hein, vraiment n'hésitez pas. Hein. Donc. Qu'est-ce qui nous manque ici comme mesure? La hauteur sous le plafond. Exactement. Donc ici, En gros. à la rigueur, je peux enlever ça. Je trace une ligne. 280. Voilà. Je peux donc faire mon raccord ici. Oh, c'est bien ce petit raccord, je crois que je m'en sers jamais. Ouais, c'est bien, moi aussi, moi je faisais ajuster à chaque fois, mais. Ouais, moi aussi. Alors, par exemple, ici, là, ce qu'il me Me faut, l'expliquer dans un coup. c'est ajuster. Ça, Donc, ajuster à, il est là. Je retire tout ça. Donc, là aussi, j'en ai un petit à ajuster. Voilà. Et ici, alors, vous faites comment, vous, pour aller jusqu'au bout? Dans les Prolonger. tirs. Ah, il y en a qui connaissent prolonger. Prolonger. Moi, j'ai On peut tiré. tirer, c'est une solution, mais on a aussi, parce que des fois, vous allez voir, on ne pourra pas tout le temps tirer. Il y a un outil qui s'appelle prolonger. Donc pareil, P pour prolonger, on l'a là. On se met dessus et ça prolonge. Ah, c'est bien. Alors là, c'est bien de te voir faire, hein. Franchement. C'est clair. Voilà. Ça capte pas en fait, ça va? Ah non, c'est très bien. C'est mieux Hein. que. D'ailleurs, c'est mieux qu'avec Alexandre, la qualité. Enfin, pour ma part. Je tiens à le dire. Donc Je c'est un vois la problème. Je flèche. pense que c'est un problème de matériel informatique alors. Peut-être. Oui, Donc, c'est son matériel à lui, hein, ça je marche pense. bien. Ok. Donc alors on continue. Donc maintenant, je voudrais représenter mes fenêtres. On se doute bien que la fenêtre ne fait pas toute la hauteur du mur.
Alors. Donc, tu dois trouver la hauteur de la fenêtre. C'est ça. Alors d'abord, on commence par quoi? La lèche. C'est ça. Donc la lèche, elle est à combien? Ici, on l'a de 43. 43. Mmh. Je crois que d'ailleurs, tu as fait, Samir, tu as fait une erreur dans oui, ton film. Fausse, c'est pas les oui, lignes dimensions. Oui, j'ai remarqué justement en faisant ça hier, j'ai remarqué. Là, c'est corrigé. J'ai corrigé pour l'exercice justement. Elle corrigée, ok. Voilà, c'est ça. Donc, on a dit 43. Donc, c'est, on est d'accord, ici, c'est le sol. Oui. Et là, le plafond. Donc, le sol, on le décale de 43. Donc, je fais décaler. Donc, décaler, c'est avec un D. Il est là. Il me demande de combien je veux le décaler. 43. Entrée ou espace. Moi, je travaille beaucoup avec la barre d'espace et sous le pouce, c'est pratique. Et je décale. Tout le monde me suit? Donc, du coup, ouais. Ici, je raccorde. Là aussi. Pas ici, parce que si je raccorde, ça va m'effacer au-dessus. Là non plus. Sinon, ça va effacer. Là où j'ai du mal à savoir, c'est quand tu raccordes, comment tu sais. Enfin, bon, là, les premiers si, mais là, tu vois, par exemple, comment tu savais où il fallait que tu. Parce que. Tu peux juste faire la manip que tu viens de faire jusqu'au. Ouais. Alors. Donc, je sais que le coin de ma fenêtre, elle s'arrête là. On est d'accord? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc, ce trait-là et ce trait-là, ben, c'est en plus, ils n'ont pas à être là. Ouais. Du coup, je dois raccorder. Cette ligne avec celle-ci. Donc je vais okay. raccorder. Pareil à l'opposé. Ok, ça se fait. Ok, ok. Voilà. Donc ici, je ne peux pas faire raccorder parce que je vous montre. Si je fais raccorder celle-là avec celle-là, bah forcément, il m'enlève la ligne ici. Ouais. Après, système D, hein, on peut très bien faire ça et faire comme ça. Mais c'est pour vous apprendre les outils. Donc là, moi, je partirai plus sur un ajusté. Donc, vous connaissez la manip. A. A, J pour ajuster. Je le prends. Voilà. J'ai le bas de mes fenêtres. Ensuite, j'ai besoin de connaître, enfin, de savoir où s'arrête ma fenêtre en hauteur. Donc là, ici, j'ai ma hauteur de fenêtre, qui est de 204. Donc, tu décales de 204. Exactement. Décalé. 204 pour les deux, apparemment. Voilà. Donc ici, je peux faire mes raccords. Donc j'ai l'emplacement de mes fenêtres. Elles sont représentées. Je les ai là. Ici, vous voyez, j'ai un petit coffrage là où il y a les ovanes qui passent. Oui. Donc ben, c'est pareil. Hein. Il faut s'imaginer que on regarde du coup. D'ici, donc là, on le voit ce trait-là. Donc, on fait la même chose. Je le représente. Voilà. Donc là, j'ai bien représenté mon petit coffrage et l'emplacement de mes deux fenêtres. En fait, c'est aussi simple que ça de faire une coupe. Après, comme je l'ai fait plus haut, plus bas, je me suis amusé à faire plus joli pour que ça corresponde. Donc c'est la même chose. Je prends mes lignes pour représenter ma fenêtre. Là, c'est vraiment juste pour faire beau. Et à savoir aussi, comme pour les blocs, bah, il existe des blocs en fait qui représentent des portes ou des fenêtres déjà toutes faites. Si vous en avez besoin, il ne faut pas hésiter, hein, ça fonctionne pareil. Donc là, on est OK. Donc ici, j'ajuste. Cela, je les retire. Voilà. Il nous manque une partie de l'encadrement qui est ici. Donc généralement, on met la même taille qu'ici. Donc là, je dois être en 7. Si je ne dis pas de bêtises, voilà, 7. Donc, je décale de 7. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire mes raccords et mes ajustements.
Donc on n'est pas toujours sur la verticalité, mais on ouvre comme un cube en fait. C'est exactement ça. C'est comme quand tu prends le patron d'un dé, par exemple. Voilà, c'est ça. Parfait. Voilà, c'est exactement ça. Désolée, j'ai loupé le début. Hein. Je ne sais pas du coup si tu l'avais dit. Ah oui, bah, je suis en train d'enregistrer. Je ferai une vidéo. Ah super, ça marche, merci. Voilà, du coup, j'ai ma fenêtre. Après, je peux m'amuser. Je peux m'amuser aussi à faire une poignée, hein, c'est pas... Ah, peu importe. Hein. Nous, ce que l'on va devoir faire dans l'exercice, c'est la cuisine, c'est ça? La coupe de la cuisine. Mmh. Donc là, on aura ensuite, tous les meubles à différentes hauteurs. Là, j'essaie de prendre un mur où on a quand même 2-3 éléments et, pour vous montrer comment on fait une coupe. Mais ça va être exactement, après, peu importe quand on vous demande de couper, c'est exactement la même chose. Il faut se représenter son petit bonhomme. Il faut toujours tirer les traits à l'horizontale, voilà, et marquer ensuite la verticale, la profondeur. En fait, Alors, on va y arriver. Donc là, ensuite, bah, je peux très bien mettre mon calque fenêtre. Voilà. Ah, ça c'est une bonne question. Ce que tu es en train de faire... parce qu'il m'est arrivé de dessiner sur un mauvais calque, ouais. Et après bah, j'effaçais, je le refaisais sur le bon. On peut le changer comme tu fais là? Bien sûr. Oui, il suffit de sélectionner. C'est ça. Alors, je vais vous remontrer. Hop. Alors, là, donc j'ai. J'ai essayé en copiant-coller, mais ça ne marche pas. Voilà, attendez, je fais juste un copier de cette fenêtre parce que c'est la même. Donc voilà. Donc oui, alors plusieurs solutions. Tu as où? Tu sélectionnes ici, tu viens là et tu prends ton calque fenêtre et tu l'appliques. Donc là je suis passé en calque fenêtre, on le voit ici. Donc il n'y est plus sur l'autre. Il n'est plus sur l'autre. Là tu l'as passé en calque fenêtre. Ah oui, d'accord, super. Voilà. Sinon, tu as, pour gagner du temps, si jamais tu ne veux pas te prendre la tête à tout dérouler, là, tu as copié les propriétés. Oui. Donc tu cliques dessus, tu dis je veux le calque fenêtre qui est là, ici. D'accord. J'ai jamais fait ça, oui. Voilà, okay. C'est plus rapide de copier propriété. Oui. Donc pareil, ma cloison. Et ça... D'accord. Je fais par exemple copier les propriétés. Mm-hmm. Voilà. Après, bon, bah il n'y a plus qu'à... à faire une rotation. Non, mais trop bien. Voilà, j'ai ma coupe. Et alors, attends, question, parce qu'avec ce logiciel, j'arrive plus du tout à réfléchir, là. Ouais. Parce que sur le cours, ou je sais plus où d'ailleurs, il nous dit, si c'est sur le cours, pas d'Alexandre, le cours en ligne, il nous disait en gros pour le plan d'agencement, d'aménagement, et d'agencement d'ailleurs, parce que ça apparaît dans la cuisine, de ne faire que des carrés en gros de 60, de ne pas mettre, à part peut-être pour la plaque de cuisson, mais sinon c'est des carrés ou des rectangles, enfin peu importe, de 60. Du coup. Parce qu'il est parti sur des tailles standards. Généralement, un caisson, quand tu fais une cuisine, un caisson, c'est généralement 60 par 60. Ouais. Mais du coup, et avec des trucs au-dessus, et donc comment... Attends, j'essaie d'organiser ma pensée pour te poser la question à la plus claire. C'est-à-dire que j'ai du mal à imaginer comment ça va représenter juste un pauvre rectangle, en fait. Mais peut-être que c'est parce que je ne l'ai pas fait. Non, j'arrive plus à organiser ma pensée, là. Ok, je pense avoir compris. Alors d'abord, je voulais juste répondre à une question. Qui me parlait justement tout à l'heure de la coupe dans la cuisine et qui avait un peu, qui craignait un petit peu? Je sais plus. C'est moi, je crois. Moi, je... Non, je crois que c'est... Moi, Bernadette, je demandais si c'était la coupe cuisine qu'ils allaient nous demander dans l'exercice, je crois. Alors, voilà, c'est ça. Pour vous toutes... moi j'en ai pas besoin en fait. La question c'est si tu as un meuble de 60
60 en bas et au-dessus un 30, je sais pas combien de profondeur. En fait, quand tu vas tirer tes lignes comme tu as fait par les semaines avec les fenêtres, là, ça va marcher ou voilà, je me... Bah, on va essayer de voir ça. Première chose, pour vous toutes, moi, j'en ai pas forcément besoin, et puis avec l'habitude, vous non plus. Représentez-vous ce petit truc. Ouais. Voilà. Ouais. Par exemple, là, par exemple, là, Bernadette, je le prends, je me mets dans la cuisine, quoi. Et toi, ce que tu me dis, c'est, en fait, j'aimerais bien. Et puis, vous le faites tourner. Rotation. Et toi, ce que tu me dis, c'est, j'aimerais bien regarder, en fait, par là. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, du coup, tu sais que c'est cette partie-là que tu dois représenter. Donc, tous tes traits, tu vas les tirer, bon, bah d'ici, forcément. Mmh. Voilà, voilà, mais... Donc, alors... Si, par exemple, Samir... Si tu mettais juste un seul meuble de 60 en bas et puis un 30 au-dessus, juste okay. Pour me... Alors, quand on fait une représentation de coupe, c'est souvent dans les détails. Alors moi, je vous dis, bon là c'était simple, mais ici par exemple, on a une chambre au-dessus, c'est chiant, c'est... Vous tracassez pas plus la tête que ça. Hein. Vous sélectionnez par exemple cette partie-là, vous faites un copier, alors ah, copier, oui, on la copie. CP, il est là, copié. Tu te la mets à côté. Ah oh oui, ça c'est voilà. Énorme. Ah bah oui, parce que sinon tu vas pas t'amuser à tracer tes traits jusque là-haut ici. Oui, tu vas traverser la chambre. Voilà. Ok. On va supprimer tout ça. Tu vas super vite, mais on comprend vachement mieux et c'est impressionnant. Bah, okay. C'est vrai. C'est plus efficace, quoi. Je vais te dénoncer. Tu peux. Hop. Bon, ok, ça devrait aller. Donc, on va se mettre quelques meubles. Puis voilà. Si on met ne serait-ce qu'un de 60, voilà, et un de... Tu peux expliquer ce que tu fais là avec le cercle ? Non, ça il faut payer un peu plus. Le diamètre. C'est ça. Alors, c'est le diamètre ici. Donc, je veux un meuble de 60 ici, de profondeur. J'ai plusieurs solutions. Ou je prends celui-ci, je le décale de 60. Mmh. Voilà. Mmh. Ou moi je fonctionne beaucoup avec les cercles parce que des fois ici on est ou sur des polylines ou on prend pas le mauvais truc ou du coup je fonctionne beaucoup avec les cercles. Je fais C pour cercle. Je me mets ici par exemple et je lui donne un rayon de 60. Je trace ma ligne et je peux retirer mon cercle. Mais ça revient au même. Moi je fais des rectangles hein, de 60 sur Ah, mais du coup, tu travailles en polyline. Mais tu peux non, aussi. Non, hein. Je fais rectangle et puis je pars de l'angle. Et... Oui, toi, tu fais comme en ça. Haut, et là, admettons, voilà. Tu fais. Je fais des rectangles de 60 sur. Tu fais voilà. 60 sur 60, admettons. Ouais, voilà. Tu peux c'est aussi. C'est comme ça que j'ai dessiné ma porte d'entrée. Et après, si tu veux déplacer ou quoi que ce soit, bah, tu vois, lui, il faut décomposer et ensuite dire lui, j'en veux ouais, ou j'en veux pas. Enfin, voilà. Après, c'est le système D, ça fonctionne très bien. Tant que tu ne restes pas bloqué sur ton dessin, c'est le principal. De toute façon, que ce soit une polyline ou non, on ne le verra pas. Ok. Donc, on fait ici un décalage de 60 aussi. Un raccord. Quand je vois le temps que ça me prend de décaler, la vitesse à laquelle tu vas. Je fais tout raccord. Je trouve qu'on n'a pas la même licence d'AutoCAD, non ? Normalement, vous avez la même. Enfin, je pense. Moi, parce j'ai la que moi, j'ai l'impression qu'il clignote dans tous les sens. Et, je sais pas. Après, c'est peut-être une histoire de matériel informatique aussi. Je sais que ça prend beaucoup de mémoire AutoCAD. Il est très gourmand en énergie, du coup, c'est peut-être ça. Donc voilà, on peut. Pourquoi tu as fait le petit retour là devant le lavabo, enfin devant l'évier? Ici? Ben, parce que c'est le meuble, il continue. En fait, l'évier, il est posé dessus. D'accord. Donc voilà. Donc là, moi, je voudrais couper. On va faire des meubles hein, de 60. Hein.
Donc vous avez bien vu, j'ai fait des décalés de 60. Faut dire juste le décalé, comment tu le fais? Moi je sais pas, une fois sur deux il m'enlève le trait quand j'appuie sur entrée. Ouais, pareil. Quoi? C'est-à-dire? Et moi il me prend pas le trait, il veut pas le prendre, mais ouais, peut-être qu'il le fait mal. Il y a une mauvaise clique, mais je la comprends pas. Alors je fais décalé, barre d'espace pour entrer ou entrer. Mmh. Il me demande la distance, donc là je suis sur 60, je refais barre d'espace et ou entrer. Ouais. Il me demande. T'as pas encore coché tes lignes. Non, là il me demande c'est de sélectionner l'objet. Pareil. C'est écrit hein, en plein milieu. Voilà. Il me demande de sélectionner l'objet. Donc là je le sélectionne, bon, on va dire celui-ci. Et il me demande de quel côté je veux le décaler. Donc vers le bas et je reclique. Et là, je fais dans l'autre sens, je le clique d'abord et je fais décaler et ça marche. Tu peux aussi, je crois. Ben, moi, ça. Tu peux aussi, hein. Tu peux le faire aussi. C'est bon pour décaler ou je le remontre? C'est nickel. Oui, c'est bon, c'est bon. Merci. Okay. Je pense que c'est bon, merci. Ok, bon, on va essayer de mettre tout ça dans un bon calque. Donc voilà, et on va représenter aussi, on avait dit, on a des meubles au-dessus, c'est ça? Alors généralement... Il y a des meubles de 30. Généralement, au-dessus, ça fait 40. C'est la taille standard, c'est 60 sur 40. Après, il en existe des 30, il y en a qui mettent du 60 aussi au-dessus. Hein. Mais bon, il faut... Alors, est-ce que vous savez pourquoi on ne met pas 60 au-dessus? Parce qu'on ne peut pas passer la tête. Exactement, parce que si tu te mets devant, tu dois cuisiner ou quoi que ce soit, si c'est pour se prendre, ne pas se pencher correctement, se prendre la tête là-haut, voilà, c'est dommage. Après, maintenant, si c'est des meubles qui sont vraiment très hauts, on peut partir sur du 60. Donc là, on va partir sur du 40. Donc je décale toujours 40. Par exemple. Donc ajuster. C'est pour ça aussi que tu ne fais pas de polyline, parce que là, si tu décalais ton mur porteur, ça te décale. Ouais. Ton mur porteur, en fait, tout c'est le tour. Ça. Ok. C'est ça. D'accord. Et aussi parce que si lui, je dois le rétrécir, admettons, de 20 cm, je dois couper ici. C'est quand même plus rapide de faire ça. Voilà, comme tu vas vite. Ouais. Voilà, et de supprimer là que de tout refaire, quoi. Ouais, ok. Mais du coup, ça veut dire que tu n'as aucun mur porteur, tu n'as aucune polyline, toi, par exemple, sur ton dessin. Parce que les contours, c'est chaud de faire que des lignes. Moi, j'ai aucune polyline. Les contours, les murs porteurs, quoi. Moi, j'ai. Alors, les seuls trucs qui sont groupés ici chez moi, c'est simplement les blocs portes, les sanitaires, les fenêtres, et c'est tout. Tout le reste, je n'ai rien. Et pas tes murs porteurs? Non, aucun. Ok. C'est ma façon de faire. Les décomposer. Il nous a montré comment les décomposer maintenant. Si on a fait des polylines. C'est ça. Bah après, c'est ma façon de faire à moi. Hein. Vous pouvez très bien aller sans polyline et le jour où vous devez modifier, vous cliquez dessus et vous la décomposez. Hein. Donc, prenez pas la tête à tout refaire. Mais c'est vachement plus rapide comme ça, en fait, sans les polylines. En plus, même à dessiner, je trouve que c'est plus rapide, quoi. C'est moins galère. Ah ouais, bah, j'ai passé un temps mais infini à faire les murs porteurs. Hein, et c'est pareil. Hein. Honnêtement, ce que vous arrivez à bien différencier mes portes, mes cloisons, mes murs porteurs et tout ça. Oui, mais j'ai pas de soucis d'écriture. Et quand vous regardez bien, moi je n'ai mes épaisseurs de ligne, j'ai que du zéro. Bon, à part là, c'est pour les zones nuit, jour et tout ça, mais j'ai que du zéro. À partir du moment, c'est pour ça que je disais que toutes les méthodes sont bonnes. À partir du moment où on arrive à se faire comprendre, vous tracassez pas, perdez pas de temps. Par exemple, ici, mon mur ici, au lieu de faire une épaisseur de 20, je peux très bien tracer une ligne qui fait 20 d'épaisseur. Je peux très bien écrire ici 20 d'épaisseur et j'aurai une grosse ligne noire. C'est pas grave, hein. Mon mur porteur il sera de toute manière représenté. Oui, d'accord. Ok. Donc, ici, donc on va faire partir le meuble comme ça. On le remet sous le bon calque. Et comme c'est en hauteur, je le mets en pointillé.
Ah oui, je me rappelle plus ça. Donc, voilà. Donc, on est là. Comment tu as fait comment, là? Parce que... Pour le mettre en pointillé? Oui. C'est bien dans le... Tu sélectionnes. Alors, oui. Il ne faut pas le modifier ici. Parce que si tu le modifies ici, tu le modifies pour tout ton, pour tout ton, pour l'ensemble de ton calque. Je m'explique. Moi, je veux mettre que cela en pointillé, mais pas ce d'en bas. Si je viens ici et que dans mobilier, là, dans mobilier, je le mets en pointillé, ok. Il va tout me mettre en pointillé. Tu vois? Et c'est pas ce que je veux. Moi, je veux juste celle-là et celle-là. Du coup, je sélectionne celle que je veux. Donc, je reste bien dans le calque mobilier. Mais ici, en fait, c'est pour modifier simplement ta sélection. Donc, c'est ça. Mais alors là, je sais jamais lequel prendre. Je me rappelle plus. On prend du calque, je crois. Alors, quand c'est quand il écrit du calque, c'est il reprend ce que tu lui as donné ici. Donc tu vois là la couleur noire, c'est parce que les calques en fait c'est ici que ça se joue. Donc là, si je mets du calque, il va reprendre la couleur ici du calque. Si je mets l'épaisseur ici du calque, il va reprendre l'épaisseur que je lui ai donnée ici du calque. Oui, ça y est, ouais. Le style continu, il va reprendre ce que je lui ai dit ici. Donc, les données du calque sont ici, sur ce tableau-là. Ça marche. Voilà. Maintenant, si tu veux modifier des éléments que tu as sélectionnés, donc tu lui dis que tu veux rester sur le calque mobilier. Pourquoi? Parce que si demain, tu veux qu'il soit en pointillé ou non, si tu veux retirer le calque mobilier pour ne voir que tes murs, par exemple, tu auras juste, si tu gèles ici, il va te retirer même ceux en pointillé. Donc, tu le laisses sur le calque mobilier. Par contre, si tu veux modifier cela, tu te mets ici. Donc là, je peux le mettre en orange. Je peux le mettre en plus épais. Et je peux le mettre en pointillé. Donc, j'ai tout modifié ici, mais tu vois, ici, il est toujours dans le calque mobilier. Ça veut dire, si là, je l'enlève, si je le gèle, il me le retire quand même. Même s'il n'avait pas la même couleur, même s'il est en pointillé. Ok. Voilà. Donc là, je vais le modifier et le mettre en pointillé. Je le fais ici. Donc on a représenté à peu près nos meubles. Allons-y maintenant pour la coupe. Alors. Maintenant pour la coupe. Donc, c'est facile, c'est comme tout à l'heure. Je trace mon trait, je prolonge. J'ai mon mur. On peut même représenter, j'aurais dû peut-être même laisser la porte d'à côté. Ça aurait peut-être été plus sympa. Voilà. Donc je prolonge mes murs. On est d'accord? Je me place le sol où je veux, hein, y a pas de... C'est juste pour ma construction. Voilà. Voilà, c'est ça, tu t'en fous, tu le mets n'importe où. Le sol, oui, n'importe où. Donc là, je raccorde. Okay. On peut même faire le mur plein. Donc là, je raccorde. Donc voilà. Ensuite, ici, vous vous souvenez, c'est du coup, je recherche quoi? La hauteur, qui est là, on la voit là, 280. Je décale mon sol de 280. Okay. Un raccord. Je vais faire autre chose aussi parce que. Mais il est magique cet outil raccord, c'est un truc de dingue. Ah oui. Bah oui, je dis tout le temps, moi. Voilà.
Donc voilà. Ensuite, je prolonge. Donc, ici, j'ajuste. Alors moi, raccord ajusté, c'est ce que j'utilise le plus, avec prolongé. D'accord. Donc voilà. Donc là, et là, je prolonge, justement, jusqu'à mon mur. Ouais, prolongé. Ouais, aussi, il est pas mal celui-là. Ouais, très celui-là. Donc voilà. C'est énorme celui-là. Donc là, j'ai mon épaisseur de mur. Là. Ouais. Vous voyez ? Alors, pour que ce soit plus simple, on va même faire mieux. Je fais un coup d'hachure. Voilà, que c'est beau. Donc, pareil, copier propriété. Je me prends pas la tête. Hop, hop. Copier propriété. C'est où copier propriété ? Ah oui. C'est ici. D'accord. Et on appuie avant de sélectionner l'objet ? Ouais. Je sais plus. Ah, attends. D'accord. Je vais te remontrer ça. Donc là, oui, en fait, là, attendez. Parce que sinon, vous n'allez pas tout comprendre. Toi, t'es là que t'es en galère pour enlever tes hachures et Samir. Et ça. Mais c'est tout ça, c'est de la pratique après. Hein. C'est, mais oui, oui, oui. C'est vraiment que ça. Mais je vous comprends, c'est, quand tu connais pas, il paraît tellement difficile ce logiciel. J'essaie de faire un truc propre pour que vous compreniez. Voilà. Donc là, on est d'accord. On a nos deux murs. On a ici la projection de mon mur de cuisine et ici la projection de mon mur de couloir qui est là, avec l'entrée ici de la porte. Donc là, on a la cloison. On peut le mettre en cloison. Cloison, ok. Je vais même mettre mes hachures cloison. Copier propriété, toujours, pour gagner du temps. Voilà. Vous visualisez là, ça va ? Ouais, bien. Bon, on va faire la porte. Chapeau, tu peux postuler. On va faire la porte. La porte, on va dire qu'elle fait 200 de hauteur. Donc je décale du sol de 200. Parce qu'on n'a pas la hauteur de la porte. C'est juste pour ne pas vous perdre, que vous puissiez vous représenter vraiment la porte. Ah oui. Voilà. Là, c'est raccordé qui vient de faire. C'est ça, donc on peut lui faire une petite poignée. Hein. Voilà. Je peux, comme j'ai dit, copier les propriétés. Prendre les propriétés de ma porte. Non, parce que là, j'ai copié. Voilà, j'ai ma porte. Maintenant, on va monter les fameux meubles. Donc, je suis ici. Ce que je vois, moi, d'ici, je vais me mettre tout de suite en mobilier. Donc, moi, ce que je vois d'ici, c'est... J'ai un trait là. J'en ai un là. J'en ai un ici. Voilà. Donc là, j'ai projeté mes façades. J'ajuste ici, je retire, voilà. Je peux supprimer cela. Voilà, donc maintenant, ce qui me manque ici, moi, c'est ma hauteur. La hauteur des meubles du bas, déjà. C'est ça. Donc, généralement, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est 90. Oui, ça dépend. Oui. On va mettre 90, c'est pas grave. Décalé. Oui. 90. Voilà. Donc là, je fais ajuster. C'est vachement plus simple. Il faut vraiment que tu postules chez MMI pour devenir prof d'AutoCAD. Hein. Clairement, ouais.
Là, c'est... il n'y a pas photo. Hein. Bah, c'est c'est-à-dire que moi, je me demande surtout comment, en fait, on en fait, parce qu'à aucun moment, personne ne nous a expliqué comment faire une coupe, ou alors j'ai loupé le cours de... Je pense que ça va venir. Il arrive avec Benjamin dans quelques semaines. Ah oui, mais c'est, vrai, c'est vrai que... Dans... être sur AutoCAD. Par contre, c'est vrai que dans le bloc 2, dans le niveau 2 d'AutoCAD, j'ai pas souvenir d'avoir vu parler des coupes. Je sais plus. Je crois qu'ils vont nous l'expliquer plus tard, il me semble qu'il y a un webinaire. Mais pas sur AutoCAD, peut-être pas. Donc ouais. Voilà, là j'ai mes murs bas. Enfin, j'ai mes meubles bas, pardon. Ensuite, tu as l'épaisseur du plan de travail, non ou... Alors après, c'est comme je t'ai dit, ouais, tu peux faire ce que tu veux. On va décaler. Par exemple, de. Ouais. C'est un peu trop. Généralement, ça fait 5 à peu près, je crois. Voilà. Alors, ne pas oublier, donc, ici, j'ai un plan de travail. On est d'accord? Oui. Mais ici, c'est un autre. Je m'explique. Là, je vais tracer mon trait. Voilà. Parce que ici, je suis là. Donc, c'est coupé ici. C'est pas le prolongement de ce plan de travail-là. Donc là, ce que je regarde, ce que je représente ici, c'est cette face-là. C'est celui-ci que je représente. C'est celui-ci. Et pas ici. Parce qu'ici, je ne le vois pas. C'est caché par ce meuble. Donc ici, il ne faut pas oublier, c'est caché comme ça. On peut faire là des petites hachures, hein, c'est toujours sympa. Voilà. Ça, c'est pour les meubles bas. On peut toujours, après, hein, c'est comme tout, on peut faire... vous savez, souvent, on a des petites plaintes sous le meuble. Ouais, ouais. On peut le représenter aussi. Vous pouvez mettre les poignées ici. On peut en mettre. Hein. Ouais. Les plaintes, c'est combien? 10, 15, non? Oui, c'est... généralement, c'est une dizaine de centimètres. Voilà, tu fais copier. Là, j'ai fait copier-coller. Enfin, j'ai fait copier plutôt, oui. Attends, du coup, tu disais de mettre des plaintes, mais alors, quand tu avais calculé, tu disais que la hauteur, c'était 90 de meubles, c'est 90 avec les plaintes, donc tu n'as pas besoin de redécaler. Ouais, bah, en fait, là, on n'a pas de hauteur vraiment, mais tu sais, quand tu vas placer, quand toi, tu vas aménager, tu vas placer une cuisine ou tu vas aller voir sur le site internet, tu auras toutes les mesures. Tu auras la mesure ici du pied, tu auras la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur, tu auras tout ce qu'il faut. Là, on fait un petit peu au hasard parce qu'on n'a pas les mesures. Quoi. C'est juste pour vous montrer comment on fait. D'accord. Ouais. Ok. Mais ne t'en fais pas. Parce que là, on met pas sur une coupe, on ne met pas de cote. Si, justement, c'est là où ça devient intéressant par la suite. C'est qu'il faut que tu fasses une cote. Surtout si tu fais faire des meubles sur mesure. Tu peux très bien appeler un artisan et ton meuble télé, lui dire que bah, moi, je ne l'achète pas à Confo ou chez But ou chez peu importe. Moi, je veux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, il te faudra toutes les mesures. Sans oublier, ça va être là le plus dur quand tu fais ça, sans oublier les épaisseurs de chaque tranche du meuble. Ou même, par exemple, la planche que tu as entre deux tiroirs. Parce que vu de l'extérieur, on ne la voit pas, mais ton artisan, il faut bien qu'il la monte. Ouais. Donc il faudra faire ça. Mais ça, c'est encore un peu plus loin. Ok. Oh. Hop. C'est dingue à quel point on voit le curseur. Ça change tout, hein. Ça change en fait. Ça change tout. Ah bah oui, oui. C'est fou. Ah ouais. Moi je me suis fait des replays, je me suis dit, mais en fait, j'ai commencé le cours 4. C'est pareil, en replay, tu ne vois pas le curseur. Ouais. Bon, voilà, c'est un exemple, hein. Mais c'est pour vous. Ouais, très bien. Et ensuite, tu fais idem pour les meubles du haut en laissant de la place sur le plan de travail, en fait.
peut faire ça comme ça. Ah oui, là, énorme, oui, bien sûr. On voit mieux la débit. C'est pour mieux vous représenter le truc, que ça soit plus parlant. Ouais, là aussi, bon, on peut le laisser comme ça. On va dire qu'ici, ici, généralement, ça descend en bas, enfin, les nouvelles cuisines. Donc, voilà. On peut même, après, vous allez voir, quand vous allez chercher, vous avez des blocs qui représentent aussi le... qui peut représenter un robinet. Par exemple, ici, on peut faire... Et vous voyez, c'est que du système D. Hein. C'est un artiste. Hein. Alors, prolonger. Bon, c'est une connerie, hein, mais voilà. Vous avez des blocs qui sont déjà tout faits hein, pour avoir les trucs de vue de côté comme ça. Non, mais il nous faut ta prochaine vision sur les blocs, Samir. Mais, j'ai fait une vidéo sur les blocs. Donc oui, voilà. Moi, je comprends toujours pas. Franchement, ça me rend ouf. Ah bon, on se fera une visio avec grand plaisir, il y a aucun problème. Peut-être même après, hein, si vous avez un peu de temps. Moi, ça me va. Hein. Là, il est pas tard. Donc voilà. Donc là, on a fait les meubles bas. Non, mais trop bien. Donc maintenant, ouais, je veux maintenant, représenter... Maintenant, ça s'éclaire pour moi. Les meubles hauts. Alors, c'était Bernadette, je crois, tu me parlais des 30 cm ou de 40 cm de décalage. Là, on le voit que de haut. Ça ne se verra pas. Voilà, là, tu ne le verras pas parce que tu verras que les façades. Oui, bien sûr. Donc maintenant, tu laisses la hauteur du plan de travail et tu dessines en donc fait là... les mêmes types de meubles. On pourrait presque faire un copier-coller du bas et, oui, et voir sûr. La hauteur. Oui, c'est une idée aussi, bien sûr. Si tu utilises exactement les mêmes meubles, eh ben, tu vois système D. Et tu vois, j'y avais même pas pensé. Hein. C'est pas con du tout ton histoire. Copier. Tu montes à la hauteur que tu veux. Ouais, génial. Tu vois, tu as eu une super idée. Tu nous as fait gagner du temps. Et la hauteur du plan de travail jusqu'au meuble, c'est 60 Alors, je crois que la moyenne, c'est 60. Mmh, d'accord. Donc, alors, on va faire décaler. 60, on est comment là? Ça se trouve, on est pas mal. Hein. On était pas loin. On prend tout ça. T'as mis au hasard là pour le moment? Ouais. On déplace. Mais tu as créé ta ligne et ensuite tu fais une... C'est ça, j'ai décalé de 60 et j'ai tout redescendu. Top. Donc voilà, on a notre petite cuisine. Non mais génial. On a la coupe. Trop fort, oui.